Tout commence en 2005, lorsque Luc Chatel, alors secrétaire d'État à la consommation, présente une loi qui viendra bouleverser le monde de l'assurance. La loi Chatel. Avant 2005 et cette fameuse loi, seule la résiliation à l'échéance était possible pour l'assuré. Du coup, beaucoup conservaient le même contrat d'assurance auto pendant des années, car la procédure de résiliation était fastidieuse. Il fallait envoyer, selon le préavis défini par le contrat, un courrier en lettres recommandé 2 mois avant la date d'anniversaire de la signature du contrat. Simple. Mais honnêtement, qui d'entre nous se souvient de cette date? Depuis 2005, avec la loi Chatel, l'assureur a l'obligation d'envoyer à ses assurés un avis d'échéance chaque année dans un certain délai. C'est un document qui précise la date limite à laquelle l'assuré peut demander la résiliation de son contrat. En tout état de cause, l'assuré peut demander la résiliation de son contrat dans les 20 jours suivant l'envoi de l'avis d'échéance, le cachet de la poste faisant foi. Attention, c'est important.